Je m'appelle Gloria. Je suis une petite fille et toujours souriante. Avec moi la journée est top dès le début. Si tout va mal pour toi, si tu n'as plus d'espoir, t'inquiète pas, viens me voir et on va s'éclater. Mec 2. T'as dit quoi, normal? Yeah, ça va. Tu as géré comment? Tout est parfait, man. Je dis, tu viens le produit? Oui, oui, c'est là, c'est là. Tu as fait le repérage? Bon, le repérage est propre, gars. Il n'y a pas de souci à se faire. Ok. Et tu n'as pas pris le bonbon? Ah, j'ai complètement oublié. Mais on va gérer ça sur le terrain, mon frère. Ne te dérange pas. Ok? Les gars, tu es vraiment un bon partenaire. C'est-à-dire, travailler avec toi, mon frère, ça me fait vraiment plaisir. Avec toi, je dors sans fermer la porte. Man, tu parles. Surtout que la femme qui nous a recrutés là, elle paie nos as. Donc c'est vrai qu'elle baille plus que le monsieur de la dernière fois. Mais tu n'as pas confiance. Il dit que c'est du lourd. Quand tu m'aimes devant la femme là, mon ami, c'est comme son parfum là, c'est le biais de ten. C'est pour ça que tu vas y avec la valise. Car on va charger ça de ten propre. Attends, peut-être que tu me l'as pas bien. Ah. J'aime mon boulot, j'adore mon boulot, tu ne peux pas imaginer. C'est-à-dire quand je vois les gars qui sortent tous les matins, veste, cravate, sapé, chaussures cirées, et qu'à la fin du mois, mon frère, les gars touchent 100 000, 200 000, d'autres même touchent 40 000, mon frère, 30 000 même. Sans voir alors ceux qui travaillent comme ça gratuitement à crédit. Mec 2, ça c'est la vraie wanderation. Tu me supplantes déjà, Edou. Toi qui avais peur d'un petit billet de 10 000. Tu parles de trois bateaux, mais c'était un petit papier, man. Mais ce soir, on va gâter seulement en boîte. La magie, on va mettre à terre. Mais gars, cette fois-ci, il va falloir que tu prennes un colis qui va facilement entrer dans la valise. Hein. Parce que la dernière fois, tu as pris un produit qui était tellement lourd et puis on a failli nous attraper. Tu as, non? Non, 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 j'ai. Yolo, mais t'inquiète pas. Tu sais, tu es mieux placé pour Doulowok là, non? Le tout, c'est parce que tu vois, tu as l'air d'un bon père de famille, là. Confiance, confiance. Il n'y a pas par là, ne doute même pas. Tu as la tête de quelqu'un qu'on peut tirer le business. On lui donne cadeau que go avec. Fais ta part avec. Ok, c'est bon, j'ai déjà de ça, tu vois, non, j'ai ça. Ok, ok. Je voulais te dire, oui. Tu sais pourquoi je n'ai jamais fait la prison? Non. Tu sais pourquoi on ne m'a jamais attrapé la main dans le sac? Mon frère, c'est parce que je parle avec mon cœur. Quand mon cœur me dit que laisse, je s'entends. Quand mon cœur dit que fais, je doucement avec la rage. Tout à l'heure, non? Mon cœur chauffait quand on était au ghetto. Mais depuis qu'on a tiré le virage là, non, man, mon cœur fait ses mains jaunes. Tu es un babylon. Tu veux nous faire perdre les millions à cause d'un petit cœur qui ne fait pour soi les 300 000. Je suis dans ta tête ou quoi? Yo, c'est mon cœur, hein. Tu fais comme ça. Je marche avec mon cœur depuis forme. Tu peux même imaginer. On se laisse le cœur là de côté, non? Allons gérer le dossier, ça va, win? Ouais, même si je continue, non? Tu peux dans moi, t'assure. Laisse-moi le cœur là-dedans. Allons. Oh.
et la suite de fondatrice. Le roi des papillons a cassé son bâton. Le roi dit, si tu bouges, je te pique. Pique. Je te pique. Je te pique, je te pique. Ça va? Ça va les enfants? Vous jouez ça comment? J'ai seulement vu, j'ai été pique. Vous piquez quoi? Vous sucez le bonbon. Ma mère m'a déjà dit de ne pas prendre les choses des étrangers. Ah, quand tu suces le bonbon, hein? Tu suces le bonbon. Le bonbon, yeah! Donc si tu suces le bonbon. Il y a beaucoup de bonbons, hein? Il y a beaucoup. Hein? Tu suces bien, hein? Tonton, je dis, vous sortez d'où avec tous ces bonbons? On ne vous connaît même pas. Tu es intelligente. Bon, c'est que je suis papa gentil. Hein? Et les bonbons, ils sont sucrés. Ah, maman, ça a déjà commencé. Voici ça. Gloria! La fille est passée par comment? Hey! Gloria! Mec, deux! Je suis sûre qu'elle est encore sortie. Quand il parle, la petite fourmi, elle ne comprend pas. Gloria! Oui, maman! Dis-y, viens pas! Gloria, pas d'abord! Viens pas! Gloria, pas d'abord! Viens pas! Eh, moi, c'est le bonbon! Ah, ça va alors? Tu suces le bonbon, non? Voilà. Le blanc, tu m'as sucé, non? Toi, tu es une grande fille. Tu suces, non? Je ne veux pas. T'as la crème ici, hein? Il y a la crème, il y a la crème. Quand on vous dit que le deuil est mauvais, vous ne comprenez pas. Qu'est-ce que tu faisais dehors? J'étais en train de jouer avec mes amis. C'est la dernière fois. C'est la... dernière. C'est la dernière fois. Et c'est encore le sorti. Si tu veux t'amuser, tu as la télévision dans ta chambre, n'est-ce pas? Et tu as ta tablette. Je ne veux plus te voir dehors. Tu as compris? Maman. Si ça te dérange, toi, tu demandes à tes amis de venir jouer avec toi ici à la maison. Est-ce qu'on est d'accord? Maman, tu dis que je ne peux pas jouer chez mes amis, mais tu veux que je vienne plutôt jouer ici. Tu es sûr que les parents vont accepter. Hé, ça. Hé, attends, Gloria, tu me fais la morale. Tu me fais la morale. Hé. Oh. Que ça se répète encore. Tu me suis, non? Que oui, maman. Essaye encore. Tu sais le moment, non? Oui, c'est le moment. Touche même pas ça. Passe ici. Je crois pas, Gola, tu que je connais ma pour tonton si. Ah, je viens pas. Elle ne veut pas. Oh. Je vais t'acheter aussi le biscuit. Bon. Voilà. Attends, il t'a détaché. Bois un peu. Eh, tu es gentille fille. Je vais t'acheter beaucoup de biscuits. Hein. Vous savez, la femme, je ne peux pas commissionner l'enfant parce qu'elle est partie. Si tu deviens une bimbique là, je vais te rendre plus dur que ça. Va m'acheter le charbon. Comme tu parles là, tu ne traînes pas. Ne traîne pas. Tiens,
charbon de 300. Dépêche-toi. Tu as pour 2 minutes. 2 minutes, tu as repris. Oui, maman. Hey! Tonton, tu pars où avec Ange? Non, elle était endormie et puis je suis en train de partir chez eux avec elle. Tu connais sa maison? On m'a dit que c'est quelque part en bas là, non? Hein? Où là-bas en bas? Où en bas? Ouais. Regarde. Bon, prends 1000 francs, hein. Tu peux acheter l'eau. Pendant ce temps, tu me retrouves en bas là. Tu as compris, non? Comme elle ne se sent pas bien, on va lui donner ça à côté boeuf. Je ne prends pas l'argent des gens. Hé, toi la mauvaise fille ici là même, hein. Tu veux le bonbon là-bas, tu as refusé, non? Voilà, j'ai compris. Toi tu veux le bonbon, en vrai, c'est que tu ne reviens plus. Oh, laisse-moi. Hé, laisse-moi tirer. Laisse-moi reviens, Ange. Je vais te faire du mal, hein. Au secours, maman, au secours. Laisse-moi. À l'aide. Je vais te blesser. Je vais te blesser. Maman, au secours. Gloria. Gloria. Maman. Laisse-moi dessus. Maman. Qu'est-ce qu'il y a ici? Gloria, c'est quoi? C'est quoi, Gloria? Il a donné un bonbon à un de Ange sur refait. Mais monsieur, c'est quoi? Pourquoi c'est la petite ici? Mais expliquez-vous, bégayez quoi? Vous la connaissez? Ange. Le problème, c'est qu'elle. Ouais, dis donc. Elle se sentait pas bien et je suis maintenant en train de l'amener chez eux. Vous gâtez le chez eux. Vous n'êtes jamais vu ici au quartier. Mais je dis, je te demande de remettre l'enfant là chez eux depuis. On nous attend à l'agence. Tu connais la petite ici là, mon frère. Je dis qu'on va voyager, nous sommes en retard. Donne-lui l'enfant là et puis on s'en va. Oh, il y a quoi? Je dis, mon frère. Oh, arrêtez. On nous attend à l'agence depuis. Qui m'a donné le bonbon à un enfant? Ouais. Comment? Ta maman, hey Dieu, ça veut dire que mon frère me parle. Mon frère me parle, voilà maintenant à cause de toi. C'est même à cause de toi, même que si on a répété un pas, on va porter la poisse. Ma chance pour toi, mon frère. Quand tu retrouves dans une même seule, t'as su, ta grosse tête là. C'est même à cause de ton sang, tu es là que nous sommes tombés. Hey. Et la mingue petit fils ici. Obéissant et toujours respecter vos parents.